Vous faites quoi, là? Je visionne. Vous visionnez quoi? Un film du 1er août 1973. Et c'est votre table de travail, ça? Oui. Et après avoir visionné, vous allez faire quoi? Je vais faire un montage. Un montage? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trois bobines à visionner sur ce thème du 1er août. Et je vais détacher les parties défectueuses. C'est quoi vous appelez une... Toutes les images qui sont floues et qui ne méritent pas d'être projetées à l'écran. Ça vous ennuie pas qu'on vous regarde travailler? Absolument pas. C'est l'impression que vous travaillez là ou vous vous amusez? Non, c'est une libération du travail quotidien de tous les jours. C'est quoi votre travail? Je suis dans l'horlogerie. Et j'ai choisi ce hobby merveilleux qu'est le cinéma amateur. Un super vie. Oui. Amateur, ça veut dire quoi? Vous ajoutez amateur après cinéma? Celui qui s'est conditionné au cinéma, des caméras qu'on trouve dans le marché de tous les jours. Vous sentez une libération du travail par rapport à quoi là, vos mains font quoi pendant votre travail? J'ai trouvé une libération dans ce hobby et mes mains ne travaillent absolument pas comme à l'usine. Vous pouvez expliquer un peu la différence? Je dirais qu'à l'usine, on est absorbé par un travail intense, et surtout le micro, ce qui est constamment serré à l'œil, et tandis qu'ici, le travail est beaucoup plus simple et généreux, déjà par l'image qu'on observe devant soi. Et je trouve ça merveilleux de ma part, personnellement. Là, vous avez fait quoi? J'ai fait une coupure. Entre quoi et quoi? J'ai trouvé une image qui était défectueuse. Et je vais l'éliminer de la bande et je vais la recoller. C'est pas très gentil pour l'image que vous éliminez comme ça. Vous jugez comment? Elle n'est pas nette et tout ce qui n'est pas net doit disparaître. Et c'est vous qui les prenez, ces images? Oui. Et ça vous vient comment, l'idée d'en prendre une plutôt qu'une autre? Parce qu'il y en a que vous éliminez dans la tête déjà avant. Oui, en général, j'élimine tout ce qui est mauvais. Dans l'ensemble de mon hobby de cinéma, je préfère la nature à des personnages.
C'est déjà un gros point. Alors, parce que vous trouvez les personnages mauvais, ça risque d'être mauvais? Oui, il arrive qu'on prenne des séquences avec les personnages qui me rendent pas satisfaction. Et vous avez des amis? J'ai beaucoup d'amis et pas d'ennemis. C'est un gros point. Mais par exemple, alors, si vous faites des images des amis, pourquoi ça vous rendrait pas satisfait? Oui, il m'est arrivé de faire un film sur mes amis, qui est très bien sorti d'ailleurs. Je vous dis, c'est une opinion personnelle. Vous avez fait combien de films? J'ai fait à l'heure actuelle 3200 mètres de film. Uniquement sur ce que vous appelez la nature? La nature? Oui. Qu'est-ce que vous trouvez de fascinant dans la nature que vous ne trouvez pas chez les personnages? Tout d'abord sa beauté, les couleurs, la faune et les fleurs. Vous trouvez la beauté d'une fleur plus belle que la beauté d'une femme, par exemple? Oui, je ne veux pas enlever la qualité d'une beauté féminine. Bien au contraire, et on peut la ressembler à une fleur magnifique qu'on trouve dans la nature sans la cueillir. Là, vous regardez quoi de très près? Je vois l'émulsion du film, la partie terne doit être dessus et la partie brillante dessous. Pour mon collage. Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais qu'on essaye de réfléchir un peu à la différence que vous sentez de votre travail à l'usine, parce que je vous ai vu travailler à l'usine. J'en ai vu d'autres comme vous. Puis juste de voir comme ça, je trouve un petit peu semblable. Je vous ai regardé de très près, mettre l'œil de très près, vos mains, faire des gestes précis. Vous avez fait un travail d'horloger longtemps. Oui, durant 25 ans, la partie était horlogère. Le métier d'horloger est très joli, il est très varié. Mais là, quand vous vous penchez très près, ça vous rappelle pas quand vous vous penchez très près sur une petite... Oui, ça me rappelle mon métier d'horloger, mais comme l'œil baisse avec l'âge, je suis obligé de m'approcher avec cette horrible microsse de métier. Alors, si on ne vous payait pas pour votre travail, est-ce que vous l'envisageriez comme hobby? Si par exemple on inversait les choses, si on disait on va vous payer pour faire des films sur la nature, et puis est-ce que vous abandonneriez votre travail? Non. Voilà. Je pense pas. Voilà, il y a quand même quelque chose que vous trouvez sympa dedans, non? Oui, mais c'est difficile à expliquer. Je ne voulais pas faire ça pour de l'argent. Bien au contraire. Les films, vous ne vouliez pas les faire pour de l'argent? Non. Absolument pas. D'ailleurs, c'est mon métier qui me procure l'argent nécessaire pour satisfaire ce magnifique hobby que j'aime bien.
Est-ce que vous faites une différence entre la photo puis le cinéma? Oui, j'ai été amateur de diapositives pendant 10 ans. J'en ai créé 2000 à peu près. Et je suis resté fidèle à cette diapositive. Et peut-être un jour, j'en reviendrai mes premiers amours. Malheureusement, j'ai eu une défaillance avec un appareil merveilleux. Et c'est la raison pour laquelle je me suis rabattu sur le Super 8. Mais la diapositive est au fond de moi-même quand même un magnifique point de départ pour le cinéma. Et je pense qu'une diapositive procure autant de plaisir qu'une bande de cinéma. Ah, cette image du lac, c'est votre lac, c'est vous qui l'avez pris, ça. Oui. Mais pendant, pourquoi vous aimez mieux aujourd'hui la prendre en... Quelle différence vous faites en... si on prend une image comme ça en cinéma, puis en photo? Mais c'est-à-dire que l'eau est déjà tout d'abord vivante. Lorsque vous voyez un lac déchaîné par un coup de bise ou un coup de vent, la matière est vivante. Tandis qu'un diapositive... Qu'est-ce que vous appelez vivant, vivant? Eh bien, on voit le rouleau, la vague, on voit les roseaux ondulés sous les coups de vin ou de bise, ou le cygne qui se véhicule d'un coin à l'autre. Tandis qu'un diapositive, c'est en somme calme, tranquille. Mais malgré tout, il y a de l'homme dans la diapo. Mais par exemple, si vous montrez une diapositive là, tranquille, d'un lac tranquille, et puis après une autre où il y aurait... où on sentirait que c'est plus agité, ça fait... le passage de l'un à l'autre, ça fait du mouvement aussi, non? Oui, oui, voilà. Et on attendra dans son entourage des personnes qui diront « Ah, un cinéma, ça serait formidable parce qu'on verrait le rouleau. » Ça, évidemment, c'est des opinions tout à fait personnelles. Moi, je pense que ce que vous trouvez bien dans le cinéma, c'est qu'on revoit à peu près exactement comme on a vu à l'œil. Le cinéma restitue tous les gestes que vous avez pris. Et moi, je trouve merveilleux. À mon point de vue, c'est tout à fait personnel. Quand vous choisissez un sujet ou un angle ou un endroit où vous mettre, ça se passe, vous cherchez à exprimer quelque chose ou enfin je sais pas, vous installez à un endroit plutôt qu'à un autre, comment ça se passe un peu, vous décidez le matin d'aller quelque part ou comment vous y pensez longtemps à l'avance, comment ça se passe? Je vous dirais, lorsque je prépare un film est tout d'abord comme un livre qu'on va écrire. Il faut une préface, il faut le préparer. Je ne pars pas jamais avec ma caméra filmer une séquence de 10 mètres au bord du lac et finir à mon chalet au matin, ce qui n'irait pas avec. Je choisis toujours un thème. En ce moment, vous pensez à un film que vous allez faire? Oui, je prépare pour dans 2 heures un film des 4 saisons du Mont-Tin où je vais greffer probablement la musique de Vivaldi dans ces 4 saisons. Pourquoi vous mettez de la musique? D'après les livres que j'ai consultés, une bobine, un film, qui est sonorisé et la signature du créateur. Et je pense que c'est vrai. J'ai hésité à faire un premier pas parce que j'ai trouvé à mon âge, et ainsi que au point de vue mémoire, qu'il y avait un terrible pas à franchir dans la sonorisation. Mais je pense à trouver un magnifique collègue que j'ai à l'heure actuelle. Je pense que je pourrais franchir ce pas
facilement. Et vous avez envie de mettre des de la voix humaine ou ben seulement de la musique? De la musique. Vous n'avez pas envie de parler dessus? Ma voix est tellement mauvaise que je préfère un orateur qui a une voix beaucoup plus claire que la mienne. Et je vais essayer de trouver, dans mes connaissances, une voix plus claire que la mienne. Mais par exemple, quand vous allez photographier le... les quatre saisons au Mont Tendre, vous n'avez pas envie de raconter ce qui se passe en vous aussi, pourquoi vous allez le faire? Oui, je ferai sentir ce que je ressens en allant tirer ce film au Mont Tendre, parce qu'il y a des séquences absolument rugueuses. Vous avez la tempête de neige ou l'orage. Et alors là, je vais exprimer mon sentiment personnel devant la nature. Je le ferai probablement. Vous savez ce que vous allez chercher un peu, dans quelle direction? Vous avez déjà des idées d'images précises que vous allez chercher à capter? Oui, j'ai préparé un scénario. C'est quoi un scénario? C'est-à-dire, c'est le départ, c'est le point commun où la caméra va travailler, ce que je dois faire, les scènes, les séquences que je dois préparer. Tout ça, j'ai ça écrit sur un petit carnet. Par exemple, au lever du soleil, j'ai prévu à tel et tel endroit où le trépied de la caméra sera installé. Travailler un petit moment. C'est quoi cette image-là qu'il y a au mur? Ceci est une jeune pousse d'une plante qui croît au Mont Tendre dans les premiers jours du printemps. Ah, moi, je croyais que c'était un oiseau. Non, ça ressemble étrangement à un oiseau. C'est très joli, c'est très petit. Et pour celui qui sait admirer la nature, ce n'est que dans des sujets ici qu'on peut se prononcer. Avec la diapositive. Quand vous avez eu envie de la filmer, vous avez eu envie, pourquoi? Pour vous, pour la garder pour vous, vous aviez envie de la montrer après à quelqu'un d'autre? Oui, ben, tout d'abord c'était déjà pour moi, et ensuite pour la montrer, c'est-à-dire à des enfants. J'avais prévu une série de sujets de printemps, au moment où le bourgeon éclate, de montrer le réveil de la nature au printemps. Ceci était destiné à des classes, et j'ai fait personnellement une série sur les champignons. J'ai dû montrer à la Société mycologique du Saint-Thier, qui a été très savoureuse. Cette maison là, cette petite maison est mon chalet qui est au Mont Tendre, qui s'appelle l'Aurore, avec un paysage d'hiver. Son altitude est située à 1560 mètres,
est très joli, calme, tranquille. Et c'est depuis là que je vais partir pour mes 14 ans. J'aurai un pied à terre merveilleux et je pense que je ferai du bon travail. Un truc qui me semble un peu contradictoire, vous aviez dit que vous aimiez pas parler en général sur vous aimez, ou si vous faites du son, vous aimez mieux mettre de la musique, mais pas parler. Et puis cette espèce d'oiseau fleur tout à l'heure, vous dites que vous pensiez la montrer à des enfants pour expliquer le réveil de la nature, mais donc il y avait quelqu'un qui parlait ou vous c'était projeté muet simplement? Bien évidemment, si je trouve un orateur avec une belle voix sonore, je préfère la sonorisation qu'au muet. Et je pense que par la suite, j'ai envie de sonoriser mes films. Vos 4 saisons, par exemple, vous pensez à les sonoriser? Oui. Ça, c'est prévu dans le programme. Alors, vous avez inscrit quoi au scénario? J'ai inscrit tout d'abord la musique de Vivaldi, plus l'orateur qui va décrire les beautés jurassiennes. Et ça? Ce que vous appelez décrire les beautés, ça, c'est vous qui allez dire en quoi, et puis quelqu'un va le répéter ou bien... Non, c'est moi qui vais lui dire. Écrire un commentaire? Oui, et choisir une voix beaucoup plus claire que la mienne. Et les beautés du Jura, c'est quoi? Vous savez que Jura est une magnifique région, qu'elle soit française ou suisse. On y découvre des affaires extraordinairement belles. Pour celui qui sait observer la nature, je la trouve absolument merveilleuse. Est-ce que c'est difficile de faire du cinéma? Il faut être très technicien. Non, je pense qu'avec les caméras modernes qu'on nous offre à l'heure actuelle sur le marché, peser, viser, mais au départ, je pense quand même que c'est assez délicat. À l'heure actuelle, je travaille uniquement au trépied. Je me suis rendu compte au départ on était un petit peu comme une mitrailleuse à filmer l'image. Qu'est-ce que vous voulez dire un peu comme une mitrailleuse à filmer? Oui, si vous faites un panoramique à la main, à l'épaule, épaulé, avec un épaulement, on va beaucoup trop rapide. Alors j'ai choisi le trépied qui, lui, nous rend la stabilité de l'image et une meilleure qualité de la projection. Ce que vous filmez, ça dure longtemps. Je veux dire, quand vous regardez
Un coucher de soleil ou une tempête qui se lève sur le lac. Ben, ça dépend. Vous savez que les bobines sont de 15 mètres et durent en moyenne 3 minutes et demie, ce qui est absolument court. Si vous enlevez l'amorce, tandis qu'en diapositive, donc vous l'avez, mais ça ne bouge pas. Alors, c'est ça la différence entre la diapositive et le cinéma amateur. Vous avez plutôt envie de faire des images d'endroits que vous ne connaissez pas, mais que l'image va vous apprendre à connaître, ou plutôt d'endroits, de choses que vous connaissez déjà? Non, les deux me sont favorables. Je pense que l'image passe tout d'abord par le cerveau, l'âme, la caméra, et on sent au fond de soi-même ce qui mérite d'être imprimé sur la pellicule. J'adore les paysages, et que je sois allé à l'étranger ou dans un autre pays, tout ce qui me paraît merveilleux, je prépare ma caméra et j'enregistre l'image. Vous travaillez tout seul dans le cinéma ou vous faites avec des amis aussi? J'ai plusieurs contacts avec des amis qui font eux-mêmes le cinéma et on se passe deux ou trois petits commentaires. Mais en général, je travaille seul. Et c'est dans la solitude qu'on réussit à faire des belles choses. Surtout la partie de la faune. On ne peut pas y aller en course d'école ou déranger les animaux. C'est dans la solitude qu'on réussit à faire des belles choses. Oui, d'accord. Vous vous sentez plus seul quand vous êtes dans la nature ou plus seul quand vous êtes à votre travail à l'usine? Oh là, c'est une question... dans la nature... J'aime bien cette solitude. Elle vous gêne moins dans la nature qu'à l'usine? Absolument. Vous vous sentez seul à l'usine? Non, parce que tout d'abord on est déjà immatriculé, on a nos amis de travail, l'usine est tout à fait différente de ce que je trouve devant un paysage alpestre ou dans la forêt ou au bord d'un lac. Et ça vous intéresse quand même d'aller à l'usine travailler? Pardon? Ça vous intéresse quand même d'aller à l'usine travailler? Oui, je suis obligé d'y aller pour mon gagne-pain. J'y vais par obligation, mais vous savez, vive la retraite. Et quand vous irez plus justement, vous ferez beaucoup plus de cinéma, vous pensez? Oui, si la santé me permet, je vais faire un peu plus de cinéma que je vais faire à l'heure actuelle. Là, vous cherchez quoi?
J'en garde tout d'abord les premières images, leur netteté. Oui, c'est pas mauvais. Une fois qu'elles sont faites, ces photos ou bien ces films, ça devient quoi? Ça devient un sujet que je peux aller présenter en public. Je n'ai absolument rien de décousu. En ce sens que je n'ai pas le domaine de Casimir qui est destiné, par exemple, au bord du lac, ou la montagne, il y a toujours une suite. Cette suite est rassemblée et je peux présenter un film complet avec à l'intérieur la faune, la fleur, tout ce que vous voulez, qui comporte une suite générale de l'idée qui est passée par le cerveau, dans mon cerveau. Quand vous faisiez des diapos, vous aviez des diapositives, des photos, vous aviez moins l'idée de suite que quand vous faites du cinéma maintenant. Exactement. C'est le cinéma qui vous fait plus penser à une suite. Exactement. Et je pouvais en diapositive butiner ce que je voulais. Je voulais passer d'un cœur de tulipe à un visage féminin. Ce qu'on ne peut pas faire en cinéma. Vous ne trouvez pas que vous êtes moins libre, alors justement, dans le cinéma? Oui, justement, en cinéma, je suis moins libre, parce que je dois choisir une voie, c'est comme un livre. C'est comme un écrivain qui écrit un livre, il fait sa préface, il fait sa signature, il écrit son livre. Là, il faut qu'il y ait une suite. C'est comme une chaîne, un peu, alors? Oui, une chaîne, une magnifique chaîne, comme la chaîne du bonheur. La chaîne de quoi? La chaîne du bonheur. Mais c'est plus difficile de suivre une chaîne. Oui, parce qu'il faut passer par tous les maillons. Et vous vous sentez pas... Non. Emprisonné? Oui, un petit peu emprisonné. Ah, quand même. La chaîne est un emprisonnement. Nous avons chez nous une chaîne dans l'orangerie, eh bien, c'est pas la chaîne du bonheur. Et vous pensez pas qu'il y a un rapport, qu'il y a quand même un lien entre cette chaîne, toutes les usines, ils ont des chaînes. Oui. Et vous pensez pas qu'il y a un lien entre cette chaîne et puis le fait qu'un film, il y a une chaîne d'images, justement? Je pense que c'est peut-être la première fois que vous y pensez comme ça, mais est-ce que vous pouvez essayer d'y penser? Je vous dirais que c'est peut-être pas la même chaîne. La chaîne est plus ouverte et plus profonde. Cette chaîne qu'on trouve dans la nature, ou bien au point de vue matériel, industriel, moi je pense qu'il y a une énorme différence, mon point de vue. Vous sentez une libération en somme, en passant, en pouvant faire une chaîne d'images dans la nature plutôt que d'être à une chaîne un peu... Absolument, absolument sensationnelle.
Oui, c'est quoi là? C'est quoi? Je lis la formule d'un nouveau film pour prendre des séquences à nocturne. Là, qu'on pense essayer, ça viendra. Il vous fait Kodak. Est-ce que vous pensez, quand vous faites une chaîne d'images comme ça, vous pensez, après que vous ayez fait un scénario, puis que vous faites des chaînes, est-ce que vous pensez, puisque vous tournez en couleur, est-ce que vous pensez que vous êtes plutôt un... Vous faites un roman ou plutôt vous faites des tableaux? Je verrais peut-être l'image d'un tableau comme un peintre. Vous vous sentez plus un peintre? Oui. Et là, pas de différence entre le fait que vous faites du cinéma, vous vous sentez autant peintre que quand vous faisiez de la photo? Oui, je pense. Oui. Mais quand vous écrivez votre scénario, vous vous sentez peintre? Un petit peu, oui. Vous vous sentez pas écrivain, le fait d'écrire? Non, absolument pas. Et vous vous sentez musicien? Non, absolument pas non plus. Et j'aime beaucoup la musique. Vous êtes tout seul devant des paysages comme ça, vous avez envie de chanter? Oui, j'ai fait partie moi-même d'une chorale et j'aime beaucoup le chant. Mais ce que je voulais dire, est-ce que vous chantez tout seul pour vous? Oui, en tout cas. Vous chantez des chansons connues ou plutôt des... Des chansons folklore du pays. Mais par exemple, pourquoi vous ne mettriez pas votre voix qui chante sur des images? Elle est tellement mauvaise, est-ce que je n'ose pas présenter ma voix? Mais si on sent que vous êtes content, ça suffit peut-être? Oui, peut-être. Je le ferai peut-être un jour. De chanter la solennelle que vous avez vue le mardi. C'est une jolie petite fleur, il y a une magnifique chanson sur la solennelle. Chanter aux solennelles, aux douces fleurs, pourquoi tu m'abandonnes dans les hauteurs. Oui, mais je sais pas avec mon horrible voix. Par exemple, là, on va passer une série de photos. Est-ce que vous pourriez les regarder? Puis s'il y en a une où vous trouvez que vous auriez envie de mettre du son, par exemple, plus, qu'est-ce que vous mettriez? Ou bien s'il y en a qui sont mieux toutes seules. Si vous pouvez dire celle-là, c'est mieux tout seul, et puis l'autre, ah, ça serait mieux s'il y avait un peu de son. Ceci, c'est le fil de l'orbe, en dessous de l'orbe. Évidemment, avec du son, un bruit d'eau, elle ne serait pas mauvaise. Ça, évidemment, c'est des fleurs. Je crois qu'on y a juste une musique, je ne sais pas. Oh, il n'y a rien à dire, c'est mieux comme ça. Oui, calme, tranquille. Et vous n'avez pas envie, justement, sur une image comme ça, simplement de mettre une voix qui dirait calme et tranquille? Oui, je me d'accord avec vous. Ah ben là, vous avez filmé des amis? Oui, ce sont mes amis. Ils font les cartes, la photographie. Et ça vous intéresserait pas de filmer, d'avoir des aspects de leur... d'essayer de filmer leur... ou d'avoir des photos de leur vie quotidienne? Oui, j'avais pensé un jour filmer en cachette chaque camarade dans ses loisirs
au départ de son travail, soit en vélo, soit en moto, faire une petite cachette, puis les filmer, puis leur présenter ça. Puis vous l'avez fait? Non, pas encore. Ceci a passé dans mon esprit. Et si vous vouliez leur montrer comme ça, vous aviez un but, vous pensiez pourquoi? Oui, leur dire un jour, écoutez messieurs, vous invitez à une séance de cinéma, et leur montrer le film que j'aurais créé en cachette, dans leur vie quotidienne, quand ils nettoient sa voiture, quand ils partent en vélo, quand il va faire ses courses. Et voilà, je pense que le fond, l'idée est pas si mauvaise que ça. Vous filmez beaucoup d'animaux? Oui, je suis un amateur de la faune. J'aime beaucoup la vie aquatique du lac. J'ai réalisé un bout de film sur la naissance d'un couple de cygnes qui m'a coûté 4 dimanches de film, assis sur une chaise. Et la patience a eu gain de cause. Et j'ai réussi à filmer les petits quand ils clos un lundi matin. Et on les voit tout petits sortir de l'eau, et c'est magnifique. Vous aimez bien les choses qui naissent, qui débutent? Oui, c'est le départ de la vie, aussi bien sur le plan animal que sur le plan humain. Donc, continuez seulement votre travail. Si vous êtes resté 4 dimanches à attendre, c'est un plaisir qui est fatigant quand même. Alors, c'est un plaisir fatigant, mais qu'un réconfortant par la suite. Donc plutôt que dire c'est un plaisir, il faudrait plutôt dire que c'est un travail agréable par rapport oui, à d'autres. Mais voilà, c'est un travail très agréable. Et lorsque l'image nous restitue cette patience qu'on a dû mettre en service, eh bien, c'est un réconfort pour l'un et pour nos amis qui s'en vont. Il y a quelque chose que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi si on voulait vous payer pour faire ces images, quelqu'un qui les trouverait belles, qui ne sait pas le faire et qui voudrait vous payer comme un ouvrier qui sait faire de la belle image, ou un ingénieur qui sait, un ingénieur de l'image, pourquoi ça vous gênerait? Je ne veux pas vous dire que ça ne me gênerait pas, mais je ne voudrais pas offrir un profit financier du produit de mon art. J'ai eu l'occasion de remettre à la chambre suisse d'horlogerie plusieurs clichés pour établir leur livre qui est écrit en anglais. Eh bien, la chambre suisse m'a payé automatiquement sans que leur demande quoi que ce soit. Ça, c'est des conditions de leur maison. Mais je ne fais pas ça au point de vue financier. Et vous travaillez des fois pour les films des autres? Oui, cet hiver, j'ai dû
préparer plus de 450 mètres de pellicule pour deux amis qui n'avaient pas le temps de s'en occuper. Et j'ai titré leur film, visionné, coupé, réparé et livré presque gratuitement à mes amis. Elle allait bien celle-là. Très bonne bobine, oui. Peu de à couper. Quand vous coupez, c'est uniquement quand c'est flou. Des séquences qui sont mauvaises. Vous coupez là. Vous coupez oui. Jamais parce que vous trouvez trop long ou trop court. 10 fois lorsque c'est trop long, je coupe. Vous décidez comment à l'intérieur, comment ça se passe à l'intérieur de vous pour décider que c'est trop long. Les séquences trop longues, on peut les raccourcir. Ou si vous avez un exemple ou un moment où vous avez coupé parce que vous trouvez trop long. Oui, je vous dirais qu'à Zermatt, j'ai pris une séquence sur les Alpes qui était beaucoup trop longue. Et j'ai dû la recouper. On voyait quoi? Trop d'algues. Trop de montagnes. Trop de montagnes. Alors ce qui devient l'ancien pour celui qui la reçoit, et j'ai dû couper quelques 8 mètres de pellicule, c'est assez long. Elles sont ici en conserve, et puis un jour, je me décide d'y remettre, je les remettrai.
Ça vous a intéressé, là, un peu, si on vient de bavarder une heure, ou bien vous avez trouvé un peu ennuyeux? Très bien. Qu'est-ce que vous avez pensé quand... Formidable. Vous aviez peur? Non, je n'ai même pas. Parce que tout à l'heure, vous avez un cran. Oui, ce matin, non. Oui, mais nous aussi. Non. Détendu. Détendu? Oui. Il y a quelque chose, vous voulez profiter, vous auriez envie de parler, que vous trouvez qu'on a oublié de parler? Non, je pense pas. Je peux vous l'expliquer peut-être en nature, lorsqu'on travaillera dans la nature. Ouais, je ne sais pas. Parce qu'à l'usine, vous savez, lundi, hein, vous allez me poser des questions lundi. Non, hier.